Les gars, est-ce que vous êtes au courant que Balthazar est libre? Balthazar, après avoir tué 400 femmes mariées, est libre en si peu de temps. L'argent, c'est le pouvoir. Ah oui, hein? L'argent, c'est le pouvoir, les gars. Balthazar sort, lui, innocent. La loi n'a pas condamné Balthazar. Après tous ces forfaits, premièrement, on dit qu'on n'a pas trouvé des preuves. Parce que vous savez, on nous avait dit que à la base, on avait attrapé Balthazar pour détournement des deniers publics. Donc il n'y a pas eu de preuves. Maintenant, comme il n'y a pas eu de preuves, nous on savait qu'on devait condamner Balthazar parce qu'il a tout mal les femmes des ministres, des généraux, des grands, les autorités. Mais on nous fait comprendre que la loi dans leur pays ne condamne pas cela. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de mineurs. Toutes ces femmes-là étaient majeures et Balthazar n'a forcé aucune go. Donc toutes les femmes-là étaient d'accord d'aller en full contact avec Balthazar. Donc la loi ne peut pas condamner Balthazar. Parce que, un, il n'a pas violé, il n'a pas forcé une go, et toutes les go étaient d'accord qu'il filme. Sauf que jusqu'ici, on ne nous a pas donné la raison pour laquelle Balthazar filmait. Et on nous dit que Balthazar n'a contaminé aucune go, et qu'aucune go également n'a contaminé Balthazar. Bon, ils ont juste donné la première version, que Balthazar n'a contaminé aucune femme. Ça veut aussi dire qu'aucune femme n'a contaminé Balthazar, parce que si, pareil, 400, parce que ce qu'on nous fait comprendre, c'est 400 femmes mariées, non? Maintenant, les célibataires, c'est combien? Puisqu'on a aussi entendu qu'il y avait les influenceuses qui sont célibataires dedans, tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être même 3 000, même 5 000 célibataires. Donc, tu tombes à plus de 3 000 go sans te protéger. Et tu ne tombes pas malade. Nous savons bien comment les quatre lettres se baladent en Guinée équatoriale. J'ai eu des amis qui sont allés là-bas. J'ai même eu un ami qui est d'ailleurs là-bas à cause de quatre lettres. Il n'a même pas fait 3 ans là-bas. Puis c'est à un moment donné, là, ce que les gars nous faisaient comprendre, c'était officiel, que le port du préservatif était même interdit un temps. Il ne sait pas si c'était officiel, pas si c'était le gouvernement ou bien si c'était seulement dans le barbac. Mais c'est ce que les gars qui partaient là-bas nous faisaient comprendre. Que là-bas, tu prends une go, tu tentes de dire que tu te chausses. Gars, tu vas avoir tous les problèmes. Donc, c'était que les full contact là-bas, on ne connaissait même pas les présos. Ça n'existait même pas. On nous a fait un moment, c'est tout récemment qu'on a officialisé ça. Je ne sais pas si c'est seulement la rumeur ou si c'est la réalité. Donc, vous pouvez imaginer comment les quatre lettres là, ça c'est seulement les quatre lettres. Il y a beaucoup de maladies transmissibles. Il y a beaucoup. On va citer quoi? Les chlamydia, on va citer quoi? Les c'est l'autre. Donc, on nous fait donc comprendre que Balthazar a tué 400 femmes mariées sans porter aucune maladie. Je suivais la vidéo de quelqu'un là qui nous faisait comprendre que le peu de temps qu'on a attrapé Balthazar, il était sous soins intensifs. Vous savez que son père est milliardaire. Donc, comme son père est milliardaire là, bon, je ne sais pas si l'autre information est vraie. Je suivais seulement quelqu'un dire ça. Donc, je ne peux pas vous confirmer si c'est vraiment une réalité. Mais la réalité, c'est que Balthazar n'a contaminé aucune femme. Tandis que toutes les femmes là étaient saintes. Toutes les femmes là n'avaient ne portaient pas de maladie. C'est-à-dire qu'aucune femme n'a aussi contaminé Balthazar. L'argent, hein? Les amis, cherchons l'argent. L'argent, on le fait. Parce que son vieux a aussi beaucoup. Vous vous souvenez l'une des sorties de Balthazar? Oui, nous déjà, il a attiré derrière notre attention qu'il ne peut pas être condamné. Parce que lui n'a rien fait de mauvais. Dans cette vidéo-là, il donnait même les conseils aux hommes.
que vous, les hommes qui épousez vos femmes pour mettre à la maison comme la télé, là, je n'ai utilisé aucun produit. Je n'ai utilisé aucun médicament. Moi, j'ai juste profité. Quand vous abandonnez vos femmes, je vous ai aidé. Plus loin, il y a certaines autorités, certains ministres qui ont même félicité Balthazar. Et que, oh, mon frère, grâce à toi, on a découvert le vrai visage de nos femmes. Les gars ont divorcé, certains ont divorcé. Le président a même ordonné qu'on installe les caméras de surveillance maintenant dans les ministères. Ah, chouette. Donc, même dans les toilettes, pendant que tu montes, on va rester de l'autre côté, voir comment tu es en train de yamo aux toilettes. Ou bien ça va se passer seulement dans les bureaux. Parce que même aux toilettes, les gars peuvent tout mettre aux toilettes. Mon frère, la femme pour tout le monde, vous avez vu Balthazar, lui, est-ce que lui prenait 3 minutes? Merci 2 minutes. Merci même 3 minutes là, lui. Pas 5 minutes. Vous avez vu une vidéo de 5 minutes quelque part. C'était 2 minutes, 3 minutes. Pas. Hey! Il lâche, c'était bon. Donc, même aux toilettes là, c'est que tu peux entrer aux toilettes en 5 minutes, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, même les caméras de surveillance sont installées dans les toilettes, dans les ministères alors. Ou bien. Ça, c'est la guerre. Donc, tout l'ingo que Balthazar a tout mal dans les ministères, on nous annonce aussi qu'on a licencié tout l'ingo là. Bon, voilà alors maintenant les retombées. Balthazar nous dit que quand il sort là, il ne va pas vivre en Guinée parce qu'il sait qu'il est rancunier, que les grands hommes là qu'il a tout mal l'ingo là. On lui va fuir. Bon, les gars, ça c'est une question. Hein. Si Balthazar venait au Cameroun, on l'accepte. Si Balthazar décide maintenant que bon, quand je suis en insécurité en Guinée équatoriale, je pars d'avoir me cacher au Cameroun. Les gars, dites-moi un peu en commentaire, on fait comment? On accueille Balthazar au Cameroun. Et, ils m'ont rendu comme ça, l'argent, c'est quelque chose. D'après tous les forfaits. Les gars, n'entendez pas le truc, c'est que oh, la loi ne condamne pas parce que l'ingol a été d'accord. Essaye un peu aussi de prendre l'ingol de quelqu'un. Si tu n'as pas le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir. Hein. Ce gars a le pouvoir. Il est d'abord sauvagement riche. Son pater est multimilliardaire. Donc, c'est l'argent en désordre. Essaye aussi comme Balthazar. Suis un peu son exemple. Tu parles tout mal l'ango de quelqu'un, on t'attrape. Donc, les gars, je faisais la vidéo juste pour vous faire comprendre que voilà Balthazar qui est libre. Balthazar est libre. Balthazar est libre. Voilà, c'est décembre. Hein? C'est décembre. Décembre des cérémonies. Pardon. Contactez Franco pour vos événements, s'il vous plaît. Voilà les gars, décembre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Je ne vous demande pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est décembre, décembre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face au Talon Gousso. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Donc, les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en décembre, moi-même, je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao.